Parlons à présent du bilan et des perspectives du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Présenter aux clients et partenaires les résultats enregistrés en 2022. Partager les défis, opportunités et perspectives de 2023. Ce mercredi à Abidjan, le secrétaire général du FDFP, structure nationale ivoirienne, s'est consacré à l'exercice. Il a présenté les performances de 2022 et les perspectives et orientations pour 2023. Mondésir Nascimento et Marius Seri nous font le point. Le bilan des activités 2022 du Fonds de développement de la formation professionnelle est élogieux. En quantité et en qualité, ce bilan logé dans un tableau présente des résultats qui ont reçu les ovations des clients et partenaires. Sans exagération, on peut souligner quelques rubriques. En 2022, le FDFP a agréé 6456 plans de formation en faveur de 128 180 bénéficiaires pour un montant de 21 milliards. 51 projets collectifs en faveur de 5910 bénéficiaires pour un montant de 2,577 milliards et également 32 projets pour 1495 très petites entreprises à 335 715 000 francs CFA. À cela s'ajoutent plusieurs autres activités. Philippe Ndri, secrétaire général du FDFP, ambitionne d'accélérer la dématérialisation des services du FDFP, la baisse des délais de traitement des dossiers, la certification et la labellisation des cabinets de formation agréés à la FDFP. Pour l'exercice qui s'annonce, des chantiers ont été ouverts dans lesquels il convient de s'engager avec une ardeur plus grande. Je mettrai un point d'honneur sur les exigences éthiques et la satisfaction client dans une dynamique d'amélioration continue. S'il n'est pas facile d'être premier, il reste plus difficile donc de se maintenir premier. Le PCG, président du comité de gestion Siama Bamba, a engagé le FDFP et ses partenaires pour l'atteinte des objectifs de 2023. Je reste convaincu que l'exercice 2023 portera encore plus haut les performances de notre institution. Nos produits et services font l'objet de réflexions soutenues pour offrir le meilleur. Voilà qui vient lancer officiellement le déploiement des activités du FDFP pour l'exercice 2023. Le FDFP, pour rappel, est une institution ivoirienne qui place au cœur de sa vision la formation et le renforcement de capacités du capital humain pour relever les défis du pays.